Et salut chers abonnés, ravi de vous retrouver sur votre chaîne, la chaîne dédiée à la formation sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon sur le logiciel QGIS. Il s'agit de voir comment faire les courbes de niveau, autrement appelées les lignes d'isovalère dans une zone. Souvent, vous pourriez être amené à réaliser une telle tâche lors de vos travaux de cartographie. Dans notre exemple d'aujourd'hui, nous allons prendre l'exemple sur ce raster-là. Ce raster représente une zone au sein de laquelle nous avons des ténères d'un élément. Il s'agit des les ténères d'un élément chimique, l'or. Et lorsque vous regardez la légende, vous comprenez que les ténères évoluent, plus la couleur tend vers l'orange, plus les ténères sont élevées. Et là où la couleur est sombre, c'est là-bas où les ténères sont faibles. Donc vous voyez que ça va de 1 jusqu'à 5,77 ppm, partie par million, ou bien disons grammes par tonne. Et donc, c'est ce que notre raster reflète. Et on voit bien que, en fonction des couleurs que nous avons ici, c'est dans cette partie-là où nous avons les fortes ténères, et dans cette partie, nous avons les faibles ténères. Et comme je viens de le dire, notre travail va consister à faire sortir les lignes qui montrent toutes les parties où on a la même valeur. Voilà, donc on peut avoir tout au long de cette main-là, 1 ppm, donc il y aura une ligne qui va être générée, qui va passer par toutes ces parties-là où on a 1 ppm. Dans QGIS, c'est très facile. Et il suffit d'ouvrir la boîte de traitement. Voilà, c'est qu'il y a traitement ici et boîte à outils. Donc quand vous avez directement la boîte à outils, vous voyez maintenant elle est cachée, boîte à outils, elle apparaît. Donc dans la boîte à outils, vous pouvez soit directement écrire le nom de l'algorithme dans l'option rechercher ou bien naviguer jusqu'à trouver l'algorithme. L'algorithme, ça se trouve au niveau des GEDAL. Donc nous allons descendre jusqu'au niveau de GEDAL. Nous allons ouvrir la fenêtre en question. Donc on a plusieurs sous-boîtes. Analyse des rasters, conversion des vecteurs, divers rasters, extraction des rasters, géotraitement des vecteurs. Donc nous allons extraire des courbes de niveau. Donc nous allons cliquer dans extraction de raster. Voilà. Au niveau d'extraction de raster, voilà notre algorithme que nous recherchons, courbe de niveau. C'est avec l'algorithme là qu'on peut générer les lignes d'isovalère. Donc nous allons double-cliquer sur l'algorithme en question. Il y a une fenêtre qui s'ouvre devant nous que nous devrons naturellement configurer. Dans la première partie couche source, il s'agit de notre raster sur lequel le travail va être réalisé. En l'occurrence, ce raster-là, cric, ténère, ppm. Donc, nous mettons notre fichier là. Et ici, numéro de la bande, on garde par défaut. L'intervalle est très important. Il s'agit ici de déterminer la valeur qui serait mise comme intervalle entre les lignes. Voilà. Donc, ici, nous allons par exemple choisir la valeur 0, 0,3. Voilà, nous allons travailler avec 0,3. C'est-à-dire, quand ça va générer la première ligne, la première isoligne, il va compter jusqu'à 0,3 et générer la deuxième isoligne. Si la première ligne, ça fait par exemple, prenons 1 ppm. C'est-à-dire la première ligne va montrer toutes les parties où on a 1 ppm. La deuxième ligne va aller à 1,3 ppm. Donc, ça, c'est l'écart qui serait mis entre les différentes lignes. Ensuite, ces informations d'isovalère vont se rassembler dans un champ. Donc, ici, on vous dit de donner le nom du champ, c'est-à-dire le nom de l'attribut. Sinon, indiquer aucun attribut d'élévation ne sera attaché, optionnel. Au fait, ici, même si on ne met pas un nom, le logiciel même créera un nom par défaut. Vous voyez, ici, il a mis élève.
élève, il va conserver ce nom dans le cas où nous ne modifions pas. Donc, nous allons garder le nom par défaut, c'est pas grave. Donc, nous allons garder le élève là. L'option qui est là aussi, décalée par rapport à 0 pour l'interprétation des intervalles, c'est optionnel, nous n'allons rien faire. Et ici, au niveau des contours, c'est-à-dire la couche de sortie, on peut définir la couche ou bien garder comme un fichier temporaire. Bon, un fichier temporaire, on sait que si nous gardons l'option-là, il suffit qu'on ferme le logiciel et que la couche disparaîtra. Dans l'occurrence, nous voudrions garder la couche. On sait que dans ce cas-là, nous serions obligés d'enregistrer la couche. Voilà, vers un fichier. Voilà. Et nous allons mettre un nom. Bon, ici, on va garder la couche temporaire. C'est pas grave. Je me dis que tout le monde sait déjà comment définir une couche. Et quand tout est OK, maintenant, nous allons exécuter l'algorithme en question. Donc, on clique sur « Exécution ». Et là, nous allons patienter juste quelques secondes, le temps que l'algorithme se réalise correctement. Donc, on voit que notre couche a été chargée là. Donc, on va cliquer sur « Fermer » ici. Et là, quand on regarde notre carte, effectivement, vous voyez que cette fois-ci, nous avons des lignes sur notre carte. Ces lignes-là, ce sont des lignes d'isovaleur qu'on appelle encore courbe de niveau. Bon, ici, courbe de niveau, ça fait surtout référence à la topographie. On peut utiliser simplement le terme ligne d'isovaleur. Donc, ces lignes-là, chaque ligne passe par l'ensemble des points où la valeur est la même. On peut afficher les valeurs là en faisant l'étiquetage. Donc, on clique sur notre fichier qui a été généré. On va au niveau des propriétés. Et au niveau des propriétés, il y a cette fenêtre-là qui s'ouvre devant nous que nous devrions configurer. Actuellement, ce n'est pas d'étiquette. Donc, on clique là et on choisit étiquette simple. Et comme je vous l'ai dit, il y aura un champ qui va être créé dans lequel les valeurs des courbes de niveau vont s'enregistrer. Nous, on avait gardé le nom par défaut élévation. Voilà, donc nous allons mettre élévation là. Bon, ça, c'est des paramètres facultatifs. Nous n'allons pas nous tarder sur ces parties-là. Et nous allons maintenant appliquer. OK. On a appliqué et on va prendre OK. Donc là, vous voyez que les valeurs des courbes sont là. On peut même cacher cela pour mieux voir. Vous voyez que il y a des lignes qui ont été générées et autour de chaque ligne, nous avons la valeur. Par exemple, quand vous prenez cette ligne-là, ça représente les parties où on a la teneur 2,4 ppm. Voilà. Et elle se répète quelque part encore ici. Cette partie aussi, on a 2,4 ppm. Donc, vous voyez, partout, il y a une ligne qui va passer. Donc, vous voyez que si vous voulez encore, vous pourriez diminuer dans la valeur d'intervalle pour encore avoir plus de lignes. Voilà. Tout ou bien augmenter encore sur la valeur d'intervalle, ça va vous donner moins de lignes. Mais tout cela dépend de l'interprétation que vous voudrez faire pour votre carte. C'est en fonction de cela que cette valeur-là serait considérée. Donc, moi, j'ai pris seulement une valeur par défaut. Vous pourriez prendre votre propre valeur. Donc, c'est comme ça que vous pouvez passer pour faire des courbes de niveau appelées également des lignes d'isovaleur. Quelqu'un d'autre, au lieu de rentrer dans tout cela, pouvait écrire directement dans la partie recherche « Contour ». « Contour ». Et vous voyez que, voilà, contour. Et vous voyez que automatiquement l'algorithme s'ouvre. Donc, il y a cette aussi manière de faire ce travail. Donc, j'espère que cette partie, elle est très bien comprise dans le logiciel ArcGIS, comment faire les courbes de niveau. Nous allons nous retrouver très bientôt dans une nouvelle leçon pour découvrir d'autres choses. Et ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rater nos cours sur les logiciels de cartographie, les logiciels de mine et les logiciels de statistique. Et ceux qui veulent aussi avoir des formations en ligne, vous pouvez nous écrire sur le numéro qui apparaît tout en bas. Merci beaucoup et à la prochaine.